Daniel, bonjour. Bonjour Marie-Laure. On va entrer très vite dans le vif du sujet. Deuxième demi-finale, cinquième jour de compétition. Tout a commencé dimanche. Il fait très, très chaud et il y a du lourd sur le terrain parce que il y a des grands champions qui s'affrontent. On connaît déjà celui qui est en finale. C'est Courtois, Dacuña et Nguyen Van. C'est la triplette qui s'est distinguée et qui a battu l'équipe Cavallo. Maintenant, on va assister à un duel extraordinaire entre champions du monde. C'est Marco Foglio qui court après cette septième étoile. Ça fait longtemps qu'il court après Albert Bisabia, mais il va encore falloir franchir deux marches. Il est avec la petite merveille, Tyson Molinas et Vigo Dubois, maître pointeur. De l'autre côté, deux champions du monde. Chagnot, Grandet, quatre titres mondiaux à eux deux. Et puis, il joue avec du génie. Bref, du grand spectacle nous attend. Et on y va. Ça fait trois fois qu'il refait le plateau. Daniel. Et Marco, ça met la table. Donc demain exactement, c'est à 10h20. Alors, pendant que l'on découvre ce décorum extraordinaire avec le vieux port Notre-Dame, on fait le trombinoscope. À gauche, Antoine Dubois, c'est lui qui va donner le rythme devant. Marco Foglio, c'est le stratège. 6 étoiles de la Marseillaise. Tyson Molinas, 17 ans, il était en finale l'an passé. Il ne l'a pas gagné, mais il l'espère, même s'il est déjà dans le livre d'histoire de ce mondial, décrocher sa première étoile à 17 ans, ce qui serait un record. Jean-Charles Dugénie, il n'est pas dans le Gotha, mais il est là, il a tenu sa partie. Ça va être un duel avec Vigo, ça va être important de le souligner. Thierry Grandet, triple champion du monde. Et Didier Chagnot, il a été une fois champion du monde. Vous voyez, ça va faire du bruit sur l'aire de jeu. La première mène, le bouchon est lancé, le toss a été gagné par les Verts, c'est-à-dire Foglio. Comment dire, est-ce que, alors que nous a rejoint Jean-Luc Cavallo, comment dire, est-ce qu'il y a un favori, est-ce qu'il peut y avoir un favori dans cette demi-finale, finalement, spectaculaire, une belle affiche, mais. Non, une belle affiche, c'est certain, parce qu'il y a des joueurs d'expérience. Donc ils savent mener le jeu, je pense que là-dessus ils ne feront pas d'erreur. Après, il faut que, je pense que la différence va se faire à la pointe. Les pointeurs, c'est eux qui vont ouvrir les mains. Après, ce sera au tireur d'élite qu'il y a derrière de conclure. Jean-Luc, tout en vous présentant, sans vouloir appuyer là où ça fait mal, c'est vrai que vous rêviez de cette finale et que l'équipe Courtois, Dacuña, Nguyen Van vous en a privé. Une explication à cette défaite? Sur la physionomie du jeu, on peut dire qu'on a fait à peu près jeu égal, mais à certaines mains, ils ont joué une boule de plus que nous, et ça a fait la différence. Bon, pour le tir, c'est assez difficile, il faut vraiment tirer dans la boule. Oui, parce qu'à l'inverse de Borrelli, vous aviez l'habitude du petit gravier, ici, vous tirez plein dans la boule. Et là, tu passes pas une cigarette où tu as tiré, regarde ça. Elle est bien tirée, ça vous met. Remarquablement tirée. C'est le terrain qui vous fait qu'il faut que vous leviez le bras. Parce que vous savez pertinemment que si vous tirez un peu devant, la boule, elle ne peut pas partir. Les conditions ont évolué par rapport à ce matin. Parce que la canicule, on est entre 35 et 40. N'ayons pas peur de ce mercure qui va taper sur les organismes. Et Tyson, voilà. Vous voyez, il a rectifié le tir. C'est ça. Et la boule a sauté. Le terrain. Et ça, il le sait. Attends, c'est bon. Attends, il faut bien bouger. Il est affreux. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est incroyable. C'est les deux premières qui manquent en 4 jours. Toi, t'es plus simple. Écoute, pourtant, elles sont tirées à la perfection, c'est bon. Sûr. Ah, elles sont bien tirées. On n'a pas fait de même. Tu as quoi? C'est pas 36 000 km à faire. Pas que je roule dessus, Marco. Ah, c'est le jeu, Kaké. Tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie que toi, tu gardes ta boule. Moi, je vais le jouer un peu plus franc que toi, si ça t'ennuie pas. Vas-y, vas-y, Marco. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, Marco. Tyson. J'ai envie de charger. Comme c'est la première main, j'ai envie de tenter. Il faut qu'on risque de toute façon. Voilà. Non? Ça sert à rien de pointer. Vas-y, vas-y, Marco. Je vais regarder Duron comment c'est. Ah, mais c'est vrai que le buzzer, là, je sais pas où il est le buzzer. Alors, dans ça. Je vais essayer d'envoyer là. Même si je suis long, on est d'accord? Je peux m'emplâtrer sur sa boule et le bouchon, regarde. Allez. Je vais essayer de tenter un coup. Une minute pour jouer. Et le buzzer est sous la caméra, vous le voyez. Hein, Marco. Le porteur. C'était très intéressant d'écouter Marco Foglio parce qu'il a tout dit.
C'est remarquablement joué. Alors, remarquablement joué de la part de Marco, qui a quand même bien analysé la situation. Parce que le petit Tyson Molina se voit manquer double. C'est un événement qu'il faut noter parce qu'il n'a jamais manqué double depuis le début. Quand on mène depuis le début de ce mondial, c'est vous dire. Ah, caquet. Ah, caquet, je vois bien. Que tu me laisses une boule. Et Jean-Luc, c'est vrai que sur ce terrain-là, quand on vous a vu dans cette demi, vous étiez à l'opposé de la stratégie de Borrelli. Parce que le terrain est tellement impitoyable. Vous tapez 10 devant. Et vous ne tapez pas. On a eu l'exemple là sur cette première main. Hein. Oui. Les deux boules, effectivement, elles sont très bien tirées. Mais le terrain est tellement difficile qu'il faut tomber plein fer. Sinon, il n'y a pas de résultat. Alors parfois, dans les terrains, on dit avantage. Merci. Avantage au tireur. Là, on a presque envie de dire que c'est un terrain pour les pointeurs. Ah oui, c'est un terrain pour les pointeurs, oui. C'est, la tactique est différente. On peut pas, c'est difficile de partir à l'attaque parce que... taper 4 ou 5 boules dans une main sur un terrain comme ça, c'est très difficile. Il y a eu Marco. On va donc voir un peu l'évolution de cette partie, parce que c'est vrai qu'on est très éloigné des conditions de jeu auxquelles d'ailleurs les joueurs sont habitués, mais nous vous avons habitués à ces conditions particulières. Alors quand on est ici, quand on voit ce carré d'honneur qui a été préparé, soigné méticuleusement par toute l'équipe de Roland Villalonga, oui, c'est un joli terrain, mais avec ses pièges. Oui, là. Je vous disais tout à l'heure, c'est la pointe qui fera la différence. Si l'équipe qui comptera le mieux gagnera. Non, allez, c'est pas des points qui se gagnent au tir. On va regarder ça tranquille. Le gagné quand même. Oui. Moi, je saute au fil, manqué là, c'est bon. Tu peux tirer tes boules, tu t'as coiffé. Bravo, bien joué, ma foi. Il a exactement joué là où il fallait aller devant. On a fermé le jeu. Donc, on va voir l'adversaire, comment ils vont réagir. Ah, moi, je vont partir à l'attaque pour... Là, je peux pas mieux la jouer. Pour dégager ce boule. Tu peux tomber sur les deux. Le bouchon. Ouais. Ah, le bouchon. Ah, Didier, t'es capable. Ah, Didier. Sur là. Ouais. Allez, tombe sur la cerise. Première mission. Tomber sur la cerise, comme vient de dire Grandet, Didier Chagnon. Pas fait beaucoup de trous dans les parties qu'on lui a vu faire devant les caméras de France 3. Il n'est pas droit. Ça paraît. Je ne risque rien. Voilà, et l'ambiance qu'on entend, bien sûr, c'est les prémices du match de ce soir. Absolument. J'essaierai de passer par en haut sur la boule là-bas. Du match. J'y pointe. Si tu passes la première déjà, Jean-Charles, après on peut. Non ? Retirer ce projet. Hein ? Retirer ce projet. Le bouchon ? Comment tu veux ? Parce que la boule, ça sert à rien. C'est pas le jeu de le retirer, tu crois ? Non. Non ? S'il tape, ça fait 300 jouets. Parce que là, rajouter. Ah, retaper le but ? Oui. Ah oui. Oui. Allez, Didier. Ah, Didier. On se parle beaucoup en ce début de demi-finale. Ah, celui-là, en revanche, ça demande quelques ralentis. Quelle jolie photo les photographes ont pu s'offrir là. Car c'est un pile. Regardez, on est dans l'axe. Qu'est-ce que c'est beau, la boule est belle. Il a un joli geste. Hein. Ouais. Ouais. Bon, toujours beau, hein, ouais. Les ralentis, Jean-Luc. Ouais, c'est pas ce qu'il voulait faire, mais... Oui, parce que c'est bien de le souligner. Parce qu'au départ, avec Grandet, ils avaient fait le choix de tirer le bouchon. C'est ça. Et pour le coup, eh ben, il est plein fer. Voilà. Et c'est ça aussi. Pour un peu de réussite dans tout ça. Absolument. Du génie. Ah, il n'est pas au jeu. Elle revient bien, mais il était un petit peu à droite. Il est peint. Non, t'es un pourou, hein. Yeah. Oh, regardez, s'il y en a deux. Il y en a deux. Ça tient en chaque mesure, si tu veux. Quand même, il y a gros.
Il y a 3 mètres. Ah ben c'est pas, il y a 2. Ah, c'est ça. Il y a un but. Allez, plus, ça répond tout bien. Hein. Plus qu'un but. Thierry Grandet. Allez Thierry. Alors le troisième, il n'y est pas. Non, non, pour savoir. Trois fois champion du monde, cet homme-là. En 2007, en 2008. Ah, il a dit, c'est pas. Il y a gros, il y a gros. En 2010, avec la Croix Suchot. Ah, Thierry. Et le Boursico. Joueur complet. Bien, Thierry. Oui, c'est un drôle de phénomène. Hein. Ouais. On le voit, beau geste. Encore. Ah, tiens. Il plombe bien les boules, hein, vous avez oui. remarqué. Oui, oui. Ah non. Pas celle-là. Alors, deux ou trois. Trois points. On va faire des comptas. Ah. On est d'accord. Une. Deux. Deux. Et il faut mesurer. Il faut mesurer le troisième. Ça, c'est nous. Ah, c'est la tienne, ça? Oui. Ah, il est là, bon, d'accord. Trois. Trois points. Alors, trois points. Voilà, trois l'affaire points. Est réglée. Ouais. Marco n'était pas certain que cette boule lui appartenait. Et elle ne lui appartenait pas. Donc les trois premiers points, c'est pour l'équipe du génie, Grandet, Chagnot, 3-0. Un favori dans cette partie, Jean-Luc? Ça va être serré. Non. Mais encore trop de joueurs d'expérience, donc il n'y aura pas beaucoup d'écart. J'insiste. Ouais. Qui pour moi? Alors je vais vous dire, j'aurai un petit penchant pour les Bordelais, parce que du côté maternel, on est de Bordeaux. Ah oui, là c'est le cœur. Voilà. Et ce monsieur, le pointeur, connaît très bien mon oncle de Bordeaux. Oula, là, c'est une histoire de famille alors. Voilà, c'est ça. Ça va tout loin, mais c'est vrai que dans la pétanque et surtout dans ce mondial si particulier, il y a beaucoup d'affaires de famille. Et pour on l'a mesuré, il est bon. Pour la petite histoire, mon arrière-grand-oncle a instauré la pétanque en Gironde. 70. Ah. Donc vous avez vraiment la pétanque. Ah, je suis tombé dedans tout petit. Vous êtes tombé dedans tout petit. Pour la première que tu as tiré à la perte, et tu ne passes pas, que tu ne passes pas, passes pas. Deuxième main. Oh. Ah, Kaklet. Ah, Kaklet. Il vient faire un carreau, il a rien touché. Alors il l'a pas fait très non. beau. Non. Ah, caquet. Et d'ailleurs, c'est important de le souligner. Ah, Jean-Luc, caquet, fais le bon, fais tirer. La bataille de cette partie va se jouer sur le premier maillon. Oui. Entre Dugénie et Vigo. Voilà, c'est ça. Ce sont eux qui vont donner oui, le rythme. Absolument. Oh. Bravo, ouais. Celui qui sera le plus régulier offrira la victoire, je pense. Ah, Jean-Charles. Essaye. Le point, toujours, maître point. Sur ce terrain-là. Alors, confirmez-moi ça, j'ai parlé de vous. C'est vrai qu'au Coyen, vous avez dit une phrase qui vous a marqué. Ah oui. Alors, que disait-il? Il y a dans les années antérieures, il jouait à côté de moi en début de concours. Et je lui avais dit, Coco, donne-moi un bon conseil pour gagner la Marseillaise. Il m'a dit, petit, tu envoies loin et tu pointes bien. Voilà. Donc, j'ai retenu ça. Eh bien, vous savez quoi? C'est une règle d'or qui est évidemment... qui donne toute sa vérité quand on voit toutes les parties dans ce grand marathon qu'est le mondial à Marseillaise. Dès que vous faillissez dans le point, il vous arrive sans doute ce qui va se passer peut-être, parce que là, Dugénie a raté deux boules, et à la pétanque, faut-il le rappeler, on peut rendre des points, mais pas des boules. Et nous saluons la présence de Marc Kress qui a fait le nouveau livre. Ah, j'ai mal joué. Oui, mais t'es bas aussi, regarde, par rapport à mes impacts. Ouais. Tempo. Allez, un peu. Allez, grand, gagne-le. Allez, Thierry. Ah, Thierry, fais quelque chose. Juste un petit tour. Allez, grand. Il est un peu haut, dommage. Un peu trop. Ah, je joue pas bien, moi. Deux fois. Encore la même, hein. T'es trop haut. T'es trop haut, tu l'as remonté. T'es trop haut, ouais. Deux fois, elle a remonté.
pour vous. Hein. Ouais, mais dès le départ, déjà, on a fait un chemin. Là, c'est pas grave. Voilà. C'est le Ganitch. Allez, ça y est. Tu mets pas la table. Il n'y a pas une guerre à cet endroit. Il faut faire la distance. Bien. Bien, Didier. Didier Chagnot. Allez, père. On va pas bricoler. Allez, Montaille. Allez, Montaille, zone. Ah, père. Il n'a pas souvent pointé dans ce mondial. Mais quand il le fait, il le fait bien. Allez, Tyson, il reste sur deux trous. Bravo. Voilà, ça c'est bien, fait. Père, bien. Et bien, voilà. La perfection, Mino. Bravo. Bien. Bien, mon Mino. Bien, bien. Là-bas, c'est presque la même là-bas. Ah, ainsi, ça y est. C'est la même que tu as tiré à la première. Bien, père, bien. Le geste est bien délié. Bien équilibré. Bien sur ses jambes. Là, Didier s'est perdu. Voilà. Là, la porte est ouverte, il n'y a rien devant. Alors attention. C'est pas bien joué. Qu'est-ce que t'en penses, Marco ? J'en pense que ce que vous faites, c'est bien. Si Bigot, en pointant, il fait un tour au bouchon. Voilà, de toute façon, moi, je peux le jeu, c'est pas des joueurs. Je peux le mettre, Kaké. Parce que de tirer, à mon avis, suivant comme ça se passe, on peut avoir contre dans ces là. Voilà. Ah, si on doit tirer, il faut presque tirer au milieu des deux. D'accord. Si tu arrives là, tu peux casser dans la pointe. On peut les mettre là. Bigot, si tu joues bien la tienne, que tu as le bonheur de venir là. Ah, Kaké, pointe bien, mets-le. Allez. C'est logique de pointer. Non, mais oui, c'est intéressant d'écouter les champions. Oui. Vous partagez évidemment, c'est mieux de pointer. Oui. Et c'est la prudence, comme l'a dit Foyot, ils peuvent se démarquer en tirant. Joué, hein. Là, il a fait un truc en plus. Il a fait un peu plus de place, donc ça va être plus facile pour ajouter. Et on vous l'a dit dans cette main-là. Ah, Marco. Marco, je t'ai vu. Ah, toi maintenant. Hein? Allez, mon petit Marco, fais plaisir, père. T'as joué là, toi? Là ou là? Ouais, j'ai joué là, là. Tu l'as monté, là. Là, je l'ai monté, là, mon cœur, mal, là, ouais. Ah, Marco. Ah, Marco, fais plaisir. Marco Foyot, 30e Marseillaise. 6 victoires au compteur. Son rêve? Rejoindre Alper. Bravo, bien joué, bien. Il l'a mis. La der de Marco, c'était en 2002 avec Usai et Milei. Ah, Marco, encore un coup là. Et lui aussi a été champion du monde. C'était à Aos. Ah, Marco. Avec Fasino et Mona. Ah, encore celle-là. Il y en a 3. Les compteurs sont remis à 0, mais on peut faire plus. On peut avoir un petit bonus. Bravo. Ça fait 4. Ça, c'est une malle qui fait mal. Ah, ouais. Qui a été, de toute façon, c'est vrai, Jean-Luc, on risque de se répéter, rythmé par le pointeur qui a failli dans cette première main. C'est fini. C'est terminé. Il met en danger son équipe. Allez, père, c'est de mettre. Là, tu as les 4 nôtres maintenant. Surtout quand vous avez des joueurs de ce niveau en face. Allez, Mino. Alors, pas trop. Apparemment, de risque de prendre le bouchon, parce que ça, c'est important. Ouais. S'il arrive là, voilà, il y en a 4. Et peut-être mieux, ça va dépendre du petit Tyson. Belle en l'air. Bleuec. Elle est passée. Oh, tu es noir. Ouais, elle est pas. Tu touches une des 4, tu es obligé de la mettre. Super bien joué. Ouais, il a bien joué, voilà. Ça, bien joué. C'est le Marco Foyot qu'on aime bien. Oh là là. Parce qu'évidemment, si on l'a bien compris, contre Vigo, Tyson et Marco, il y a conflit de génération. Eh oui. Et donc, on a beau avoir de la bouteille, il faut quand même bien calmer le jeu. Pourquoi? Parce qu'il a de la chance, Marco. Quelque part, il est avec deux phénomènes. L'un au point, l'autre au tir. Comment voulez-vous faire de mieux? Et ces deux-là, Vigo et Tyson, ils étaient en finale l'an passé. Et oui, donc il faut qu'ils améliorent leur performance. Faut pas oublier ça. Et qu'on parle des six Marseillaises de Foyot. Mais parlons aussi des 4 de Vigo. Faut pas l'oublier. Vigo, tout simplement, il en a gagné 4. Oui, avec alors, il en a gagné une en 2006 avec Benefissa, avec Kader, avec Joe Dubois. Oui. Et puis les 3 autres avec Dylan Rocher et Stéphane Robineau. Ah, Kaké, pointe bien là. Ah, c'est des joueurs malheureusement qui manquent aussi à ce concours.
Alors 4 pour Folio, 3 pour Dugénie. C'est la troisième. Hop, bonhomme. Bravo, gay. Bien joué. Et lui aussi. C'est un seul. On a, vous ne touchez d'accord. pas le terrain. Ça marche. Ça alors, marche. Petite réprimande là pour l'instant sans conséquence de Madame Christiane Glay. Elle est arbitre internationale. Elle dispute, elle, sa quatrième Marseillaise. Elle est de Strasbourg. Et elle vient de faire une petite réprimande, pas méchante, à Jean-Charles Dugénie en lui disant un seul. On ne peut boucher qu'un seul trou. Absolument. Avant, on pouvait un peu balayer comme on voulait le terrain, on pouvait arriver avec un peigne pour enlever les cailloux, mais fini ça, tout ça, c'est terminé. Et alors, à propos de boucher un trou, vous n'êtes pas obligé de boucher celui que vous venez de faire. Non. C'est non. ça qu'on... Boucher là, en revanche, c'est plus surprenant, ouais. mais pourquoi pas. Je croyais qu'il avait mis le sien. Dès qu'il touche la tienne ou la mienne, il y en a quatre à toucher debout. Ah ouais. Parce que pour passer au milieu, c'est impossible de passer au milieu, là. Merci. Bien. Ça va. Merci. C'est un jeu comme ça, c'est un jeu d'enculette, ça. Alors, c'est... Alors le problème, il est quoi? Est-ce qu'on rentre dans le jeu de vouloir pousser boulet bouchon ou on tire carrément dedans? Demain, le dossier peut rester quand on peut partir. Mais ouais, mais tu sais que c'est pas. Mais dans tous les cas, mais c'est pas facile à faire. Ah oui. Parce que comme elle est placée, sa boule, pour gagner le point là, c'est presque impossible. Ou alors, si tu peux le gagner, tu peux le gagner, mais si tu arrives comme ça et que tu rentres là. Mais c'est pas facile. Et si j'attends bien, la mienne peut partir, je peux laisser de pareil. Ça joue bien comme ça. Pas. Moi, je tirerai moi. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te plaît ou pas? De toute façon, si tu tires, on verra bien après. Hein? Voilà. Hein? Allez, Tyson, fais-nous un peu de place. Allez, va. C'est pas des fois, on peut sortir les deux défenses. C'est pas comme tu tires. Non. Allez, Tyson. Allez, père. Les trois, ça peut bousculer tout. Ouais! Bravo! Oh là là! Bravo! Oh là là! Incroyable, hein? Ah oui! Faut prendre des risques, Mignon! Un coup de billard! Ouais! Là, on fait au mastic! Allez, Thierry! Si on pointe, c'est des jeux de Et il a fait il a levé le coup bout. Idéal! Ah oui! Mais c'est Tyson! Il ne peut pas mieux tirer! Non! Allez, fais quelque chose de bien, gagne-le! T'as moins bien! Allez, va! Ah, Thierry, tu peux encore faire! Bravo. Ça va être un spectacle incroyable auquel nous allons assister. Parce que vous avez vu avec facilité comment Thierry Grandet vient faire un devant de boule. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde y a pensé, mais il faut le faire. On pose pas la boule comme ça. Il est court. Il a de la chance. Il était un peu court à la main. Le terrain a donné. Regardez le tir, et il la tire bien parce que c'était un tir de précision. Il vient de faire 2 sur 2. Là, déjà, Tyson, il est dans un rythme de croisière d'un tireur d'élite. Il est long. Il est long, mais il a bien joué. À cette distance-là, on peut se tromper.
J'ai joué un petit peu plus bas. Tiré, non? D'accord. On roule. Non, mais tu, si jamais il le gagne, il fait tirer, on ne sait pas, il peut avoir contre. Il peut... Ah, tiens, la terre de but ouais. Qui est bien pour nous. Ça y est, le gagné, Didier. Ah, Didier. Oui, Jean-Luc, je suis sûr que vous appréciez d'être à nos côtés parce que vous découvrez la pétanque sous un autre aspect. Oui, parce que quand on regarde dans la galerie, on n'entend pas tous les commentaires des joueurs. Là, on entend tout. Super. Même s'ils se disent doucement. Exactement. Voilà. Il a gagné, Didier Chagnot. C'est le jeu. Chagnot qui a été champion du monde 2006 avec Milley, Dubreuil. Et Loi, c'était à Grenoble. Marco Foyot, qui pour l'instant n'a pas eu à dégainer. Il faut le faire maintenant. Ah, je suis trois quarts de boule quand même, rien. Je suis trois quarts de boule. Hein. Putain. Hein. Combien de boules ? Ah, je pouvais l'accrocher. Hein. Si je croyais que je l'avais poussé un poil. C'est idée affreuse, c'est Jean-Luc Cavallo avait prévenu. Il a connu ça ce matin. Ah, oui. C'est sûr que maintenant. Normalement, le vrai jeu, c'est de tirer. Pourquoi ? Parce qu'en pointant, moi, ce que j'ai peur, c'est que tu pousses le bouchon. Ouais. Le bouchon, c'est de prendre l'autre côté aussi. Quand tu es là-bas. Ah, il faut faire le jeu, les gars. Ah, bah allez, Marco. Alors, allez. Allez, Marco, tape-y là. Raison de boule. Ah, Marco. Vigo en a une et Marco est dans le rond. Eh bien, il était arrivé exactement ce qui est arrivé à Tyson lors de la première main. Un coulon, un coucou. Si vous coulez une larme chaque fois que Foyot fait un trou, quand même. C'est vraiment une prise de tête. Non, mais je viens de le voir, c'est pour ça que je vous le dis. Elle était contrariée que Foyot ait fait un trou. C'est le vrai jeu. C'est le vrai jeu. Non, mais notre des deux côtés, ça serait bien. D'accord. Joue-la bien. Ah, Kaké. La dernière boule de Joseph. Allez, Vigo, joue pour moi. Ah, Kaké. Joue pour moi. Joseph Molinas. Qu'est-ce que je dis ? Joue-la bien. Non, pas du tout. Antoine Dubois. Ouais. J'ai fait les deux mêmes tirs. Joseph, c'est Tyson. C'est dur à tirer. Vigo. Encore, moi, je t'en mets plus près que toi. Ouais. Allez. Elle a bien joué. Ça va parce qu'il n'y a pas trop de boules en face, Jean-Luc. Mais souvent, on dit à la dernière, s'il y a 3, 4 boules, voire plus, en face, c'est pas bon. On a bouchonné, mais là, c'est ce qu'il fallait faire. Tombe dessus. Ah, Didier. Didier pour marquer, mais le bouchon va voyager. Et pour qui ? Bien tiré. C'est bien tiré, il n'y a rien à dire. Oui. Voilà, je crois que ça, Jean-Charles, il aurait mieux fallu envoyer dedans. Ouais, mais si tu tiens le terre. Alors, la troisième mène, comme vous le savez, hein, c'est la règle à la pétanque. Mène bouchon noyé, mais comptabilisé toujours. Là, il marque pas, on marque pas. Ah, Marco. C'est mieux ça de ne pas marquer. Ah, bah non, mais c'est extraordinaire ce que tu as fait. Ah, Marco. Ah, Kaké. Ah, Vigo, rappelle-toi encore. Ah, mon Kaké, allez. Ah, Kaké. Bouchon à 7,80 m. Oh non. Oh là, il y a plus que ça, là. Il y a plus que ça, là. Oh là là. Il y a 8,70. 8,70, excusez-nous. Ah, Kaké. Ah, fais le bon. Mesuré par Marco. Vous êtes là ? Ah,
quatrième main. Alors, ce qui est quand même phénoménal, c'est qu'à l'attaque de cette quatrième main 4-3, bouchon noyé dans la troisième, le bouchon a été annoncé à 7,20 m. Et Marco Foglio, qui a mis son grain de sel, a dit 8,70. Il se prend pour un mètre étalon ou quoi? Bravo, 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 bien, Kaké, bien. Et Vigo. Vigo qui avait cette finale l'an passé avec Tyson, avec Puccinelli. On a une. Évidemment, c'est toute particulière pour Jean-Michel, hein, qui est comme Eric Bartoli, le Marseillais qui rêve de décrocher son Graal, de gagner cette Marseillaise enfin. Mais qui se refuse à eux à chaque fois parce qu'Eric, il a fait plusieurs demi. Pucci aussi, et même Pucci a fait finale. Mauvais côté. Et puis, demain, c'est une nouveauté. Vous allez nous rejoindre, je pense. Ça, non, j'ai pas de chance. 19h, démonstration de tir de précision avec le conseil départemental 13, les deux grands champions qui seront présents. Vous verrez. Ça se joue à pas grand chose. 6 mètres, 7 mètres, 9 mètres. Pointe l'autre. Il est imperdable. Pour eux, oui, ça c'est sûr. Allez, gagne-le, Jean-Charles Flo. On est dans le niveau très élevé, au point que même Thierry Grandet, qui aime bien quand même passer à l'offensive, vient de dire, mais on ne défend pas un point, parce que ton point, Jean-Charles, il n'est pas bon. Et là, il est long, là. Aïe, 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 ça va faire beaucoup, tout ça. Et ça, dans des mains comme celle-là. Bien, ça. Non. Ce côté-là, c'est pas bien. Pas contre... Ah, mais on peut vite perdre le fil, là. Ce qui est intéressant, vous avez vu le calme olympien de Thierry Grandet. Et les stats, regardez, pour Jean-Charles Dugénie. Elles sont par rapport à Vigo, quasi catastrophique à ce niveau de compétition. Hein. Et pourtant, le score est serré encore. Oui, oui, ça va. Mais cette main-là, ça peut faire la différence. Ça peut faire un break. Ah ouais. Ah, Thierry. Et Thierry le sait bien. C'est un homme d'expérience. Il a été deux fois champion de France. Il a gagné. Elle était champion d'Europe 2009 avec la Croix, Suchot, le Boursico. Il a gagné à Millau. Ah. Il a gagné un peu partout. Il vient de faire un truc. Voilà. Vous savez, Thierry Grandet, c'est la force tranquille. Il dit rien. Je joue droit. Hein. Voilà. C'est ça. Un peu de réussite, mais pourquoi pas. Il se l'est provoqué, Jean-Luc. Vous qui parlez. Il a joué dans le sens du jeu. C'est sûr que s'il était à mettre à côté, il n'aurait pas pris le bouchon. Voilà. Hein? Tu veux pas envoyer un coup là, de là, là? Hein? Tu veux pas envoyer un coup de là, là? Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Envoyer devant? Soit on tire. Ouais. À le faire, toi le coup, Marco, non? Soit on tire ou il faut envoyer de là. Hein. Tu peux taper, c'est là, tu peux taper le bouchon. Et toi, tu fais le toit, c'est mieux. Comme tu veux. Qu'est-ce que t'en penses, Tyson? Ah, jouer toi. Hein. Ou sinon c'est ça que je fais, moi. C'est ça que je fais, j'envoie. Je peux l'avoir, je peux aller au milieu debout, je peux voir un peu le bouchon. Il reste 15 secondes, il reste. Qu'est-ce que ça passe, Marco? Envoyer, il faut envoyer là, mais il faut envoyer un peu là un peu régent. Hein. 10 secondes, là, c'est bon. Allez, il faut jouer. Ah, Kaké! Allez, boulez bouchon, Kaké. Allez. Hein. Allez. Il est pas droit. Ça sert à rien, il faut jouer fort. Ouais. Moi je pensais que tu jouais pour venir ici, tu vois. Ah ouais, parce d'accord. Que si là tu vas. Sinon tu t'appuies sur les deux boules, c'est difficile. C'est vrai. Moi j'aurais joué Régent, tu vois. Comme j'ai joué un peu à ma première. Jouer Régent. Voilà, hein, c'est pas une rafle, mais c'est. Ouais. Jouer allongé pour te passer bien les boules. Je savais pas. Parce que là comme tu as joué, tu t'appuyais dessus, c'est tout ce que tu faisais. Je peux le gagner. Allez, vas-y, on peut y aller. Ah père, faut aller là. Allez, Tyson, tire bien dans ces deux. Je pensais que tu jouais. Il a fait un coup d'éclat il y a quelques instants. Il y a deux boules là. Il va essayer de faire un truc. Il a bien tapé. Rien à dire. Et ouais, mais
putain, on s'est ruiné la main. Je tire la mienne, Marco. Tire la tienne, celui-là, de toute façon, c'est un gros point. Allez. Putain, pourtant, C'est fort. Dommage. Il tape une boule. Allez, Tyson. À 9 mètres et des poussières, et on est déçu quand le magicien ne sort pas quelque chose. Il a tapé la boule. Voilà, t'es mort, là. Ah, bordel, l'autre, c'est... Ah, oh, c'est pas possible. Trois boules, tu te rends compte? Ils allaient jouer, là. Ils avaient rendu deux boules. Ah, je suis la prendre de côté, moi aussi, là. Ouais. C'est lui qui doit jouer, je l'ai dit encore, je vais jouer, lui. Ouais, mais je dois faire le coup, t'as une autre, moi. Oui. Ouais, mais Vigo, on s'est pas entendu, je pensais que t'allais jouer... Ah ouais, d'accord. Plus vite. Ah bah Marco, joue là bien. Je vais jouer là pour tenir là. Voilà. Ah Marco, ça prend pas le bouchon de ses mots aussi là. Ah, il était long des kilomètres. Finalement, on a un peu le même discours que Marco. En parlant du génie, c'est vrai que... Quand il joue, il a bien joué, mais s'il joue pas, c'est pas bien joué. Ils avaient rendu debout les adversaires. Cours, toi. La main s'est renversée. C'est là, elle est à sa place, j'ai gardé la main. C'est là, écoute, ça colle, tu... Il fait 60 degrés, alors attends, ça me colle les mains. Je sais qu'on est à Marseille, mais il ne fait que la moitié quasiment, ou un peu plus de la moitié. Ce qui est déjà pas mal. C'est sûr. Attends, Ah, je vais essayer de jouer là maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, Marco, c'est là à côté. Ah, je suis envoyé plus loin surtout. Voilà. Ah, ce bouchon nous a tué, mais bon. Laisse-moi tirer dans les dos, c'est caqué quand même. T'as point de tête à faire quoi? Ça fait rire si je fais le passe de côté, je fais le coup. Sans doute, mais il est long. Il est long. Il est long. Mais il a pas mal joué quand même. Elle est là. Ah, c'est incroyable parce que finalement, il a suffi de ce. C'est moi les génies. De l'ami Grandet pour que la main change complètement. Mais comme l'a dit Marco, si c'était entendu sur la façon de jouer la boule de Hugo, peut-être que ça serait passé autrement. S'il avait réussi la refente qu'il lui demandait. Allez, allez Thierry. Allez Thierry. Eh bien joué. Hein. C'est un phénomène. Ah il vient, essaye de protéger. Ah Didier. Ce sont des phénomènes. Ah, il va falloir vous rendre compte. Ouais. Il va falloir quand même batailler. Hein. Et... La main va être chère. Les 5 boules, on ne servait à rien. On les a toutes jouées. Il n'y a même pas le risque de toucher le bouchon. Il n'a qu'à arriver là, tranquille, tranquille. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Ouais. Excusez-moi, dans un mouchoir de poche. Oui. Pourtant, au départ, c'était ça. 4 points. 7, 4 pour du génie. 4 points pour l'équipe du génie qui prend donc la tête. Du génie 7, Foyo 4. Cinq boules. On a pété 4. C'est comme si on. Non, mais la Marco, les malheureuses, ça mène quand même. Si on les avait pas joués, non mais. Oui, mais si je l'ai pas de l'autre côté. Oui, bah t'es. Ouais, mais c'est le jeu, il faut jouer avec le terrain, c'est le jeu qui est comme ça. C'est un jeu à la con. Le bouchon de ses os, il était pas. Ah, le bouchon, c'est ça. Ah ouais. Allez, Jean-Charles. Allez, Jean-Charles. Je vais protéger le bouchon. C'est la cinquième main. 7-4 pour Eugénie Grandet-Chagnon. Et là. Ah là, elle est là. Elle est là quand même. Il a bien pointé. Allez, calme, hein. C'est pareil. Hein. De toute façon, c'est... 4 à 7, pareil. Ah, Kaké, point de bain encore. Allez, ça vient à nous. Ah, Kaké. Ouais, pareil.
Bouillot, qui est du club de Canu de Lyon, de notre ami Michel Loi. On met compte, Vigo, il arrive, Cécile. Bravo, bien. Vigo, c'est sa 15e Marseillaise. Et en 15 Marseillaise, il est là avec 4 victoires au compteur, une finale perdue l'an passé, et maintenant, en piste pour une autre finale. Dites-moi, Didier Chagnot. Il a tapé, ça doit suffire. Ouais. Bien. Il t'a vu, quoi. Ah, Kaké, bien encore. Joue encore bien, là. Bouge le trou vers le rond, là-bas aussi. Là. Une fois, monsieur, s'il vous plaît. Kaké. Ouais. Allez, Vigo. Vigo, deuxième boule. Il est court. Eh oui, il est court. En fait, quand elles sortent de la main, on le sait. C'est pas grave, Vigo. C'est grave, Marco. C'est pas grave, c'est à moi de bien jouer les mêmes. Allez. C'est bon. C'est à moi de bien jouer la mienne. Sincère, moi qui pratique Marco Foyo à longueur d'année, j'aime le discours. Quand il vient de dire à l'instant, c'est rien, Vigo, c'est à moi de bien jouer. Eh bien, ça, j'aime. Le milieu, c'est ça, c'est son rôle. Oui, mais vous savez, Marco, c'est aussi un peu un sanguin. Parfois, il a tendance à vouloir, alors que c'est un immense champion, il est toujours être perfectionniste. Il ne faut pas que ça soit au détriment du mental. Et de peser sur le. Ouais. Et quand tu joues une boule, c'est à moi de bien jouer. C'est positif, on est en équipe, hein. Tout à fait. Pas de soucis. Hein. Allez, Didier. Allez, pousse là. Allez, fais jouer. Didier Chagnot, qui réside à Bordeaux, c'est seulement sa 3e participation. Bien tiré. Il a lui aussi été champion de France. Comme Grandet. Et vous avez vu là cette super loupe, regardez comme elle est belle, des images à 800 images secondes, et ça donne ça. Et Nicolas Mastras qui a parfois dans la lune a l'impression d'y retourner. C'est pas idiot. Parce que tirer encore, tellement les images sont belles. Pareil, on va tirer encore, tu vas tirer une autre. Super ralenti. C'est le bonheur de le gagner. Voilà, c'est presque la main. C'est presque la marque. Elle joue là bien. 7 à 4. Bouche son trou quand même, non? Je bouche celui-là. Non, non, mais il max. Bon, elle me joue là bien. Allez, applique-toi, gagne-le. Allez, Jean-Charles. Tirer, si jamais il le gagne. C'est ce qu'on dit souvent, Jean-Luc. À un moment, dans une main, il y a des points plus importants que d'autres. Celui-là en fait partie. Ouais. Parce que la reprise de points est énorme pour le confort de Grandet Chagnot. Et il a bien joué. Allez, Tyson, on en a deux par terre. C'est vrai. Il va falloir sortir l'artillerie. C'est à toi, ça, Vigo? Non, c'est à moi. Non, c'est pas la mienne. Allez, Tyson. Allez, Perrin. Même que tu croises de partout, allez. Tyson ne ça dit rien. Ça passe seul, ça encore. Allez. Allez, Ty. Il a du mental. Mais il a forcément la pression. Il bravo. Il a bien tiré, si c'est rien à dire. Il s'est démarqué derrière, mais il en avait deux. Mais tu as bien fait. C'est ça. Hein? Je sais pas où elles sont les boules, hein, qui elles sont. Là, Thierry, t'as un tout petit peu plus de place pour le prendre. Tu tires à deux, mais c'est pas. Non, c'est pas le jeu. Ouais, c'est le mastic, j'ai pas tiré à deux. Faut que tu en tires deux, faut que tu fasses passer là et l'autre vient jouer. Ouais. Si tu le gagnes, tu vas jouer la marque. C'est la tête, t'as bien pointé jusqu'à là.
Allez, tirer, il faut que tu en frappes deux, t'as pas tiré. Allez, gagne-le, t'as bien pointé, t'en as deux pour le gagner déjà. Allez, applique-toi. Allez, rentre. Allez, Thierry. Alors donc, champion de France avec Chagnot, l'ami Grandet. Allez, gagne-le celui-là. Et il l'a été deux fois de suite, en 2003-2004. Il faut tirer celle-là, et l'autre après, il faut en tirer deux, il n'a pas tiré. Il faut faire 100% pour marquer. Si le but, il peut le gagner, toi. Deux finales des Masters. D'ailleurs, on vous proposera l'étape de Romand tout de suite derrière. T'es bas et t'es court. Derrière ce mondial. Elle gagne le celui joué la dernière. Elle gagne celui-là. Sur celui-là, c'est tout. Hein. Ah Thierry. Dommage. Ouais, parce que s'il gagne la première, après. Allez Thierry. C'est pas évident. Ouais. Ça sent un point fort au point. Allez Grand, gagne-le. C'est mieux ça. Hein. Oh, oui. C'est beaucoup mieux. Comme vous dites. Ça, c'est à toi, Vigo ? Non. C'est à moi, ça. C'est à Tyson, ça. Eh bien, regarde. Ça, c'est la nôtre. Hein. Je sais rien. Eh, mais en plus, en tirant, t'en as deux maintenant. Je sais. On a deux points là, en tirant. Hein. Allez. Ah, t'arrêtes. Tirer est une chose. Allez, c'est pas obligé. Taper c'est pas obligé la boule que ça sans le bouchon, allez, c'est Tyson. Pas. C'est pas couru. Ouais, bonhomme. Vraiment, t'es un drôle de champion, oui, Tyson. Parce que ce tir-là était un tir de précision et que ça compte. Pourquoi ? Un compte comme ça, Jean-Luc. Hein. Pour revenir à la marque, déjà, sinon ça fait un écart. 4 à 8, 6 à 7, c'est mieux. Voilà. Alors, ça va faire 2 points de plus. On va quand même le mesurer pour en être certain. Attends. Mais ça, c'est la mienne en plus. Non, c'est la mienne. Non, mais celle-là, elle est plus loin encore. Hein. Ah, vas-y. 61. C'est plus loin. Non, celle-là, il y a gros. 5 cm. Ouais. 2 points. 7-6 pour du génie. Pour Marco Furio. Le micro, là, ça me plaît. Marco Furio, 6. Du génie, 7. Non, mais l'autre, la mienne, quoi. Non, mais il me sert trop. Là. Ah ouais, s'il est plus bas, j'ai expliqué une boule, mais moi, ma première, il tire. Ah, c'est ma faute, je dois le gagner à ma première. Tu gagnes la première, il tire pas pareil. Je sais même pas s'il tire. Ouais, parce que. Il y a quoi ? Ta bouche en France. Ouais, après, bon, j'ai bouche en France. Ah oui, il appelle ça sur la tête. Il refera pas tout le temps. Non, mais moi, c'est pour toi. Je t'ai envoyé là. J'ai tiré, tout est parti. Oui, ici. Là, c'est pas mal, Marco, même. Hein. Ah, Marco. Là, on n'a pas marqué, on a perdu 4. Ah, ben, vas-y, alors là. Je peux passer devant. Là. Hein. Non, mais là, 6 mètres. Je sais pas. Il n'a pas voulu retourner là où vous avez perdu. Non. 7-0-5. Pas dans le hein? Ah bah, quand il pointe bien alors. Ah, il tire jamais, il tire à nous, il n'y a plus rien. Allez. Ah, Kaké. Fais tirer, va. Ah, Kaké. C'est la sixième, même. Ah, Kaké. 7-6 pour du génie Grandet Chagnot. La bataille fait rage. Et oui, on joue un ticket pour la finale. Oui, t'as pas besoin de. En plus, moi, j'ai pas pointé, parce que je gagne. Toi, t'es pas obligé de gagner. Bravo! Et on revient un instant, Jean-Luc, sur la même précédente. Il a fait un truc, Tyson, parce que s'il rate. Ça donne 1, là, il tirait pour 2, il a pas bougé le jeu. Ça fait 2 et 1, 3, c'est comme ça qu'on compte à la pète. C'est ça. Chagnot. Eh bien, celle-là, Didier. Ouais. Allez, là, ça, là. Allez, Didier. Positivé. Positivé. Maître mot. Là. Alors, il y a peut-être une demi-explication pour Chagnot, parce que là, le bouchon est court. Ouais. Et lui qui est grand, il a de l'amplitude de bras. Et il est un peu obligé de stopper ça, si j'ose dire, son bras d'élan. Non, non. Pas voulu toucher le terrain, mais ah, Kaké, fais bon encore. Fais tirer là encore. Ah, Kaké. Allez, Vigo.
et devant. Oh. Bravo. Reste un peu chaud. Chignot, alors, Chignot n'a plus de boule. Ça continue, tu vas la voir, ta petite maison là sur le port. Tu vas choisir là, regarde. On va te faire ta cabane à toi ici. Si ça réussit, si je réussis si un truc réussit, de bien. Si ça compense, c'est bien. Qu'est-ce que ça me passera. Si on réussit, c'est sûr, c'est beau. Après, tu peux en tirer une. Si on est pointe, on est condamné à y pointer jusqu'au bout. Ah, bah oui. Je vais en tirer une. Allez, tire-vous. Exactement. Allez, Thierry. Allez, Thierry. Oui, il serait comme allez, Patrick Grosseau, champion du monde des cabanons, mais il est mieux que ça quand même, Vigo. Thierry Grandet, là aussi c'est pas trop loin. Il s'est repris, mais à Grandet. Pour l'instant, il a plutôt pointé. Ah, Marco. Ah, fais le bon encore. Ah, Marco. Allez, Marco. C'est prêt, hein? Eh? Jeudi, c'est prêt. Et plus que jamais, Jean-Luc, on peut dire qu'aujourd'hui, on ne se trompe pas. Pour gagner les points, il faut transpirer. Ah, c'est... Dans tous les sens du terme. Ah oui, il fait très très chaud. Bravo. Il a bien joué. Allez, fais quelque chose là. Toi, t'as ma bouche, pas encore le trou. T'as le trou de la boule. Pourquoi il veut pas boucher le trou? Allez, Jean-Charles. Je voulais mettre le trou. Si je suis à coupure, je vais être courant. Les maillots beiges, hein, Vendée Chagnot du génie, ont trois boules. Allez, gagne-le, applique-toi. Allez, Jean-Charles. Comme les verts. Les boules et colomains. Hein. On est boule à boule. Colomain. Ça colle aux mains. Hein. Ah bah, je te dis, les boules à colle. Il n'y a pas que les boules hein, qui collent. Ah, il y a tout qui colle. Gagne-le celui-là. C'est fort. Il ne monte pas les boules. Ah, mais c'est, qu'il est fort. C'est vrai qu'il ne monte pas la boule. Il y a quand même un niveau exceptionnel. Hein. Et merci. Un avis, Jean-Luc, sur le fait que du génie ne joue pas groupi comme vous. Et comme beaucoup d'autres, lui préfère jouer debout. Oui, peut-être qu'il est plus stable en jouant comme ça. Sans doute, mais il y a plus de prise de risque. Oui. Michel, merci Michel. Formidable Michel. J'ai bien aimé la réflexion d'Henri Lacroix qui nous disait tout simplement quand on est accroupi, déjà on a moins de risque de mal tomber, mais aussi on voit mieux le jeu. Oui. C'est la beauté Michel. Oui, Michel. Allez, Jean-Charles. Allez, Jean-Charles. Important, celle-là. Ah, elle est à moitié levée. Oh là 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 là. Mal joué. Ah, j'ai vu. Ça, c'est sûr que c'est mal joué. Ah, la sortie. C'est long, là, mais... Ouais. Putain, mal joué. Un peu, mais mal joué. Fais pas d'effort. Par moment, il joue en FD. Non. Putain, je peux jouer avec ou quoi que ce soit, à la rigueur. Attends, tu les laves pas et tu les sers pas les boules. Attrape-le. Alors on va pour le coup. Ouais, mais elles sont toutes ensemble. Mais je sais bien, c'est pas grave. Ils ont encore trois boules dans les mains. Thierry. Ouais, Thierry. Ouais, c'est pas grave, gagne-le toi. Ah oui. Ouais, joue bien dedans, hein. C'est vrai que là. Allez, c'est le gagnant. J'en sors du génie. Trois boules, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, joue la bien. Allez. Ah, Thierry. Il n'a pas la moyenne. Allez, Thierry. Au point. Mais paradoxalement, c'est son équipe qui est en tête. Mais dans cette main-là, il faut qu'il trouve un truc. Oh là là, lui il nommait. Il est d'une autre planète. Il est à l'aise, il est à l'aise. Il vient d'une autre planète. Allez, ouais, regarde, tu peux faire du boulot là. Allez, hein. Tu peux faire un strike là. Allez. Ah, père, c'est tapé. Attention. Ah, manqué. Okay. Pas grave. Finalement, c'est pas grave, allez cette fois. Ça se joue à pas sur ce bouchon qui n'est pas très loin, ça piège tout le monde. Là oui. Là oui, mais. Ça lui et ça a boule encore là, c'est mort là. Bien, mais. C'est pas nous, c'est leur boule ça encore. Ah, c'est la tienne ça. C'est la mienne.
C'est bon, c'est la boule de Chagnon. Tu tires bien la première aussi. Tu tires bien la première, on pouvait leur faire mal. Hein. Bon, ils ont le point par terre. C'est Jean-Jacques. Ça va être un bon normal. J'ai encore ma boule, moi. Non, finalement, c'est vrai que de jouer à 7 mètres, on l'a vu, tout le monde a été pénalisé dans ce coup. Du génie a été long. Je vais envoyer dans la tienne. Les tireurs ont été courts. Chagnon a eu du mal à lever le bras. Ah non, il vient là, il y est. Où ? Tyson s'est fait piéger. Ouais. Ah ben dites. Ouais, je joue pour venir là, moi. Allez, vas-y, Marco. Allez. Voilà, allez. Ah, Marco, c'est Marco, plaisir. Marquer encore. Je vais jouer, si je la prends bien, on peut en faire deux, non ? Ah, ouais, Marco, fais-nous marquer. Allez, vas-y. Hein, je vais jouer dans la boule. Ah, fais-nous marquer, Marco, allez. Ah, Marco, fais-nous marquer là. Ah, Marco. Ah, ben oui, parce que Marco. Alors, faut jouer le point. Vous savez, le principe de jouer une boule, c'est de jouer pas plus fort que le jeu. Il va essayer de la prendre, mais pas forcément s'il la prend pas. Ah, ouais, bon, bien joué. Bravo, Marco. Ah, c'est bravo, hein. Ça, c'est un coup de champion. Et ces points-là, eh ben, ils vont compter à la fin, ouais. Parce que c'est quand même à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Deux points. Le chat s'est croisé à commencer. 8-7 pour Foyot. Marco Foyot, 8. Du génie, 7. Il a gonflé les bras. Alors n'oubliez pas, le 3 septembre, les 12 heures de Marseille. 12 heures de pétanque. Laquelle droite, là ? Je renvoie un peu de travers, là. Bah, si on a 8, alors. Attends. Il n'y a pas un mètre. Bah, mesure, il y a peut-être un mètre, non ? Non ? Ça va. Je crois pas, hein. Je vais venir là, le mètre. Non, mais c'est... Ah, caqué, là. Ah, mon Dugo, encore. Distance ?8,50 m. Le bouchon est à 8,50 m. Finalement, ah, voilà, c'est simple. Il suffit que Marco Foyot parle pour que ça soit la distance. C'est pas Marc. Bon, je vais attendre, je l'ai dit pour le fun, mais comme tu vas mettre l'inscription maintenant, on l'enlèvera. Allez, Ligo, encore. Ah, caca, encore, c'est bon. Ah, fais Tchardard, allez. Hein? Mettez-le là tout de suite, ça va le faire. Ah, mais non, pas trop tard. On aurait gagné des secondes, c'est pour nous. Oh, Vigo. Vigo. Waouh, wow, bien. C'est la 7e main. 8-7. Ah. Vigo. C'est réciproque. A mis une belle boule. Jean-Charles Dugénie, 8e Marseillaise. Il a fait demi en 2014, battu par Délice Garagnon-Bauer, les futurs lauréats. Et à ce moment-là, il jouait avec Mikey Dubois et Laurent Richard. Je ne pense pas qu'il ne bouge pas le bon. Je ne comprends pas pourquoi il ne bouge pas. Ça peut le dévier et tout, et il ne bouge pas. Il ne bouge pas jamais. Hein ? Alors qu'on a le droit, le dernier truc. Il est long. Moi, s'il ne prend pas la boule, il est aux planches. Comme l'on dit. Bouche les deux maintenant. Voilà. Je lui fasse à celle-là. Non mais Jean-Charles, pourquoi tu bouges pas le trou ? Le trou de Sénat. Parce que il maxe. Nous sommes pour la nôtre. Parce qu'il maxe. Ouais, maintenant il y en a deux. Alors, on va jouer où comment ? Attends, ça peut te dévier même. D'accord. Regarde. Allez, gagne-le. Allez. Allez, Jean-Charles. Après, on joue dedans aussi. Allez, Jean-Charles. Allez, gagne-le. Oh, merde. Ça, c'est mal joué, ça. Je pense à la fin, je vais faire un DH chemin. Oh, c'est... C'est cassé aussi. Putain. C'est fort.
Elle est jouée n'importe comment. Marshall du génie. Tu la joues comme ça, tu la joues face à la boule, tu la joues pas. C'est un constat et le maillon faible de cette demi-finale. Ouais, ouais, il prend pas la distance. Ah, ils sont en danger. On fait pas d'efforts, franchement. Ah, gagne-le. Allez, grand. Ah, c'est même devenu catastrophique. D'où le coup de gueule de Thierry Grandet, qui lui aussi a le droit de se tromper. Tu étais droit pourtant, non? Ben oui. Ah, ça devient compliqué. Ben oui, parce qu'à un moment, il faut faire un effort. Et il arrive un moment où... Jamais tiré d'entrée. C'est un jour, jamais j'ai vu un mec tirer d'entrée. En 5 jours. De prendre, ah ouais. Et oui, mais parce que fait partie de la race des super champions Thierry Grandet. Il était un petit peu long, il a essayé de le prendre pour essayer de l'emmener vers les boules derrière parce qu'il y a la sienne. Allez, Tyson. Cette fois-ci, tu fais toute la main en frappant. Allez. À faire. Ça rajoute un peu de pression, mais bon, il l'a dit au passage. Oh là là. Oh là là. Alors, ça, c'est pas bien tiré du tout en revanche, Tyson. Et là, dans cette demi, il est pas top. Messieurs, s'il vous plaît, qui êtes dans le prolongement, évitez de bouger. Mais là, le photographe, là, il y a un photographe qui a bougé. Du chat de boule, si ça vous dérange pas, monsieur. Il pense qu'à voir. Bonjour, s'il vous plaît. De toute façon, Tyson, c'est pas... tu dois sortir du rond, prends ton temps. Prends ton temps, mon canard. Les joueurs se plaignent parce que vous bougez quand ils tirent. Tu sais que si tu frappes à ta première, tu peux presque gagner en la main. Là, le monsieur en noir, je parle. Hein. Voilà. Très, Marco. Et il vient de manquer double, Tyson. Deux boules, vous avez? Finalement, ça a équilibré la main, c'est de la folie. Alors, attrape-moi, là. C'était des boules importantes. Ah, Marco. Bah, quand vous avez 8... Bah oui, c'est le jeu de tirer. Hein? Non, mais je vous pose la question. Parce qu'après, il faut rentrer, hein. Debout, déjà, tu tapes, tu fais jouer, Marco. Ouais. Ah, Marco. Ah, je vais tirer. Allez, ah, Marco, faut que je frappe. Allez, je vais y frapper. Allez, zou. Ah, Marco. Frappez-moi. Il court. Parle de moi, le fou, la merde. Il part des mains, on peut pas. On peut pas tirer. Ah, c'est pas toi, c'est moi. Hein. Tu peux pas, tu sais, c'est affreux, les boules, elles te collent des mains. Ah voilà, donc il y a une explication aussi. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aujourd'hui de jouer avec du talc dans la main? Ah là, Marco. Ah oui, c'est vrai, Marco. C'est pas banal, il a une stat au tir, 0 sur 3. C'est rare de lui. Ah, Kaké, je vois bien. Tu peux le gagner encore. Ils ont plus que deux boules. Ah, Kaké. Ah, Kaké, je vois bien. Ah, c'est fou parce qu'ils avaient une. Ah, ils ont mangé la main. Ils avaient une main alors très prometteuse. On a fait jouer 4, essaye de faire jouer les deux autres alors. Qu'est-ce que tu veux faire? Putain, c'est fou ça. Bah, c'est moi, je vais te taper. Ouais. Il accède. S'il fait un devant de boule. T'es court, ça pas court. T'es court, Vigo. T'as rien pour être court. Je sais, mais. On va mesurer quand même parce que ça peut avoir son incidence. Et pour l'instant, c'est une partie un petit peu décousue, dirons-nous. Vigo est nettement supérieur à Dugénie, alors on se dit, bon, bah... Il est là, le point? Et sur, c'est là? La bande à Foyot va prendre le large, et puis non. En revanche, Tyson, là, il a un gros coup de fatigue. Parce que je ne l'ai jamais vu manquer comme ça. Dans une main, il a manqué double et il vient de le refaire. Ouais.
Donc je ne peux pas tirer. Alors, tu vois, je pensais que... Justement, on nous écoute religieusement. Vous voyez, très en deçà de son niveau. 54%, 7 sur 13. Eh oui, 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 oui. Tout va mal. Ah, Marco. Ah, Marco, c'est l'arrivée là, c'est bien là. Hein? Entre les deux là. Je vais essayer. Je vais essayer de gagner. Moi, j'ai tapé dans le sac. Ah, mais c'est pas grave, t'as eu un tang. Bien, bien. Bien, ils sont là. Non, ça, c'est un autre. Et on a un petit souci de timer, c'est ce qui fait que je trouve que les joueurs prennent un peu quelques libertés. Tu tapes sur celle-là, à peine que tu la touches, tu fais ça, t'as le point. Ah, Didier. Il est court. C'était ça, Didier. Ah, ça va pas être une grosse semaine quand même. C'est même si tu arrives fort, quoi que tu sors. Surtout la première. La première prend un risque. Tu pouvais envoyer plus loin. Tu pouvais en passer la boule. Ah, Didier. Et la dernière boule de cette semaine, mais la boule de Marco Feuillou quand même, elle est pas nulle, elle fait écran devant. Oula, il est très long. Il va falloir se contenter d'un point pour égaliser à 8. La première, tu dois le jouer comme ça. À 8. Qui affrontera demain les discours en finale? Je vais jouer vers ici même pour les 55 ans du mondial de la Marseillaise. Et donc. Tu le veux où? Peu importe, vas-y. Non, vas-y. Là, pas, là où il est là-bas. Dis pas n'importe. Là où il est là-bas, c'est bien. Plutôt loin que près. On est heureux de saluer la présence d'un Romanais, Jean-Jacques Gilliard. Vous avez bien joué. La deuxième, tu dois la jouer comme ça. Ouais. Si t'es long, tu peux enfoncer la roue ou quoi que ce soit. C'est pour moi le bonbon. Ah oui, un autre. Tenez, mettez-le avec. Je vous le pose là. Non, merci. D'accord. Ils lui ont jeté pour lui. Non, ça m'en prend. Ah, il a ça. Non, non. Il a l'école, hein. Et bon, il a été mal jeté. Ah, Jean-Charles, continue. Il dit quand vous mettez le. Huitième mène avec du génie. Elle est déjà là. Et même quand Thierry Grandet a lancé le bouchon, il a demandé justement à son pointeur où voulait-il qu'il lance le bouchon. Ça aussi, c'est un aspect important, Jean-Luc. Même le bouchon est important. Absolument, c'est le début de la main. Absolument. Parce qu'il conditionne la première boule jouée. On joue court. On joue long. On s'adapte en fonction de l'adversaire et surtout de ses moyens, du bord. Et du profil. Antoine Vigo. Pas la boule. Il doit prendre le max. Tu dois prendre un max, Vigo. Je pensais que tu jouais grave ici. Il a pris la boule. Alors, ça, à ce niveau de compétition. C'est pas grave, quelqu'un joue bien celle-là, là. On dit souvent que c'est mal joué. C'est grave, les zones. Elle était pas comme ça, mais c'est quand même mal joué. Pourquoi ? Parce que déjà, vous ne gagnez pas le point, puis vous avez un petit peu amélioré celui de l'adversaire. Ah, quand il gagne là, c'est pareil. Vous carrément sous la mienne, Marco ? Hein ? Vous carrément sous la mienne ? Non. Faut pas que tu joues sur la tienne, Vigo, parce que si tu pousses, que tu la colles dans l'autre, on va en jouer. Soit tu joues pour gagner le point normal, ou alors c'est Tyson, il faut qu'il tire. Non. Vous choisissez tous les deux. Soit Tyson, il tire la boule normalement, parce que la nôtre, elle est là, ou alors tu prends le risque là, parce que celui-là, il est beau maintenant. Tout à l'heure, tu pouvais le gagner facile, tu l'avais gagné là. Maintenant, pour le gagner, il faut venir ici. Si le gagne, c'est bon, il y a allez. Bon, hein. Allez. Allez, Vigo. Ah, Kaké, tu peux le gagner là, t'es capable. Allez, fais plaisir. Ah, Kaké. Allez, joue pour Tyson. Vous êtes d'accord sur la stratégie? C'est-à-dire que...
Le passage est quand même étroit. Moi, je pensais que tirer, c'était une bonne option. Voilà, voilà, il a fait de bien. Il a tout fait. Eh bien, écoutez, c'est toujours pareil. Hein, quand on réussit, on dit toujours que c'est là. C'est bien joué. On a bien joué. On a pris la bonne option. Tellement facile à dire après. Regardez comme elle vient bien. Il a bien poussé. Il en a peut-être deux. La tienne et ouvrir le jeu. Tu peux l'ouvrir. Il faut en tirer deux. Allez, envoie bien là, fais quelque chose. Allez, j'en charge. Il arrive dans les boules. Ben oui, il faut rentrer là-dedans. C'est mastique. Pas qu'il soit court. Mais non. En plus, mais il faut lui dire. Bien. Il est rendu là. Le coup. Bon, là, du génie, rien à dire, il a fait sa main. Tu ne peux pas tirer là. Nous avons deux ingagnables. C'est du mastic. Tu tires la nôtre. Hein. Voilà. Hein? La voilà, allez, la super loupe. Allez, père. Ouais, pas mal, on termine le geste. Allez, taille. Tu l'avais enlevé seul. Manque de réussite là pour l'instant pour Tyson parce qu'il avait bien tiré. Là pour le coup, on est sur un plan de route à 12-13 mètres. Maintenant, il y a loin. Il y a loin, Marco, maintenant. C'est sa bonne entrée. Prends la première place. Ah, Marco. Allez, Marco. Ah, Marco. 4 boules à 3. J'envoie moi là. Hein. Voilà, là, je pense que voilà. C'est bon, hein. Tout est encore possible dans cette main. Qu'est-ce qu'ils font? Regarde, bah, ils sont toujours en train. C'est fou ça. Et on est en train de jouer. J'ai jamais vu ça, moi. Ah, Marco. Allez, Marco, là. Ah, fais-le bon, Marco, allez. 20 secondes. Bah ouais, mais ils arrêtent pas de jacter. Ah, Marco. Allez, Marco. Là, là, bien. L'église, elle allait faire sourire. Vous voyez le pivot, l'éclair, on va créer la station. Attention, je crois qu'on est un peu devant les caméras, là. Non, parce qu'il le met trop tôt, le carré. Tu as bien avoir un idée ou pas? Bah oui. C'est pas idiot. Non, moi, je frappe si tu manques. T'en passes? Vas-y, tiens-y. Allez, Didier. Allez, Didier, tombe dessus. Le vrai chef, c'est quand même Grandet dans la triplette. Du génie, il voulait pointer. Mais je pense que je me rallierai à l'avis de Thierry. Il faut tirer. Surtout que Didier, c'est possible pour lui. C'est possible à condition de mettre droit. Tu n'atteins pas. Pas droit. Bon, pas droit. Alors Thierry Grandet, qu'est-ce qu'il peut nous inventer au point? Ah Thierry, elle est bien placée, tu peux faire quelque chose, mon grand. Oui, j'adore. J'aime bien. Alors Thierry Grandet, je vous ai dit, hein, trois fois champion du monde. Mais il a aussi au compteur deux finales Coupe du Monde des Confédérations. Ah Thierry. Avec Puccinelli, avec Loi Fournier. Il est un peu long. Je suis pas droit. C'est vrai qu'il n'était pas droit, sinon il aurait pu faire bouchon, boule. Oh là, c'était ça, Thierry. Pas droit. C'était ça. Il va jouer le boucher parce que c'est juste après déjà. Ça fera sur le boucher déjà. Allez, non, mais le bouche pas, Didier. Je le vois depuis là-bas. Je suis pas dans le jeu. Moi, je vais jouer. Mais ouais, mais je suis pas dans le jeu. Alors, il est à mon pied. Thierry, tempo, de toute façon. Oui, mais je suis haut. Et là, depuis le rond, je vois plus rien. Il est à mon pied. Ça me guide. Allez, pareil. Il est sous mon pied. Allez, gagne-le. Allez, joue-la bien. Allez, Thierry, tu peux le faire. Allez, gagne-le. Allez, Thierry. T'es bon, Thierry?
Thierry Grandet. On rappelle, il y a 12-13 mètres, hein, faut pas se tromper quand même. Et oui, ah, là où tu veux. Avec, il voit pas trop où il veut envoyer sa boule. C'est juste un pour l'autre. Il est pénible. Non, non, je jure, hein. non, de ce côté, les gars. De ce côté. Ouais. De toute façon, ça compte pas. Ah, oui, ça compte pas. Ah, Thierry. Ah, Thierry. Allez, mon grand, allez, mon grand. C'est bien. C'est bien. Il ne l'a pas gagné, mais il a bien joué. Nous sommes honorés par la présence de M. Pierre Garville, président directeur général de la Marseillaise. Bon, allez. J'ai pris 10 grammes de plus. 75. Allez, ça leur fait un petit coup. D'accord. Oui, je sais, envoyer là. Viens, Didier. Oui, tu es. Allez, un bon petit coup. Allez, Didier. Contre-moi. Didier Chagnot. Ah, il ah non, il est lent. Mal tombé en plus. Non, non, pas bien tombé. Oh, ça va pas changer grand-chose parce que ils vont être contraints, les Verts, de pointer. Parfois, c'est break, là. Ah, ben, c'est pas grave. Allez, c'est de faire... C'est de mettre un couronne, là, ça serait bien. Ah, Marco, je vais envoyer par là. Hein. Deux points sur 7 mètres, serait pas mal. Ah oui, vu comment c'était pas assez distant. Ah, Marco, fais quoi t'as la tienne encore. Ah Marco, ah, fais plaisir. Allez Marco. On peut rappeler les joueurs parce que si vous coupez les premières mètres, ça va être horrible. Marco Foyot. Allez. Ah non, non, non. Sorti. Ah, la frappe, elle m'a cassé le jeu, regarde. J'ai peut-être envoyé un peu trop loin. Tu vois la première, il me semble que j'avais envoyé là. Eh Tyson, c'est de la même si on en fait deux, c'est top. Hein. Allez, attends, rattrape-toi un peu. Ah, père! T'as comment elle est partie, ma boule? Attention, faut pas se démarquer non plus, hein, c'est facile à dire. Elle est belle en l'air, il est long, il est long. Oh là là là! Je l'ai dit, et on n'était pas loin du coup, un seul. Ils reprennent les commandes, Foyot. 9 à 8. Quand jamais ça arrête, les boules. Quand je pointe, jamais ça arrête, moi, les boules. Un point pour l'équipe de Marco Foyot. Marco Foyot, 9. Jean-Charles du Génie, 8. Non, faut que tu le fasses, ça. Faut privilégier le point et la refonte. Voilà, c'est la 9e mène. Ah, Kaké. Ah, fais-le tirer d'entrée là, fais-le bon. Ah, Kaké. Ah, Kaké. Le bouchon est à 9 mètres 10. 9e même. Faut batailler pour être en finale. Et c'est le cas en ce moment. Dans une demi quand même. Il y a pas mal de déchets. C'est un peu inhabituel, mais il y a la chaleur, il y a la fatigue, il y a la tension, il y a la pression. J'ai pas pu le mettre. Il y a tout. Allez mon petit. T'as soif ? Tu veux une bouteille ? 9 mètres 20 pour le bouchon. T'en vois pas plus près, Jean-Charles ? T'as envoyé bouchon-boule comme lui. Ah là, non. Là, là, ça fait loin. Là, t'as moi là, t'as moi bien dedans, bouchon-boule, t'attrapes le bouchon, tu casses son point. Moi, je... Thierry ? Moi, j'en ai rien, bouchon-boule. Voilà, j'ai un replat, j'ai l'impression que je peux y aller. Ça fait loin, là. Allez, joue où tu le sens. Allez, Jean-Charles du Génie,
C'est sa 8e Marseillaise. Il a déjà fait demi en 2014, battu par les futurs lauréats d'Elis Garagnon-Boer. Il était équipé avec Laurent Richard et Mikey Dubois. Non, il n'est pas dans le jeu là. Non, mais c'est ça, il n'est pas dans le jeu, il est à l'extérieur là-bas. Il est parti de côté. Pour moi, de trop loin, j'ai le chat. Comment tu joues là, une fois là? Comment bien tu sais le faire en plus? Allez! Allez, aide-nous, Jean-Charles. Lève-la un peu. Tout se joue là, sur le point, c'est le plus important. Oui. Oula, il s'en tire pas mal, il s'en tire pas mal. Et évidemment, nous vivons cette demi-finale avec un demi-finaliste. Comme je te dis, pour faire, tu te places le point. C'est une coulette. Jean-Luc Cavallo, c'est vrai que Jean-Luc. Non, mais il n'est pas dangereux. Cette Marseillaise se joue surtout et avant tout au point. Oui, parce que normalement, sur un terrain normal, de suite, il part au tir. Parce que le point était bon. Mais dans ce jeu, on pense toujours qu'on peut le gagner parce que le terrain est amorti. On peut toujours faire quelque chose, mais c'est pas évident. Et le terrain, évidemment, est complètement différent de celui que vous avez pratiqué pendant 5 jours dans les allées de Borély avec ses petits graviers. Ici, c'est un terrain apprêté, mais qu'est-ce qu'il est piégeux, surtout pour les tireurs. Ah oui, ils sont pas à la fête. Et oui, parce que tirer 10 devant, c'est manqué. Ouais. Là, il a eu de la chance, du génie, d'embarquer le bouchon. On a dit que c'était le point, et le point, ça, c'était la spécialité d'Antoine Dubois d'Ivigo, 15e Marseillaise. Et en 15 ans. Oh, Vigo. Regardez. Oh, Vigo. Et il est long. Oh là. En 15 ans. Et ouais, mais après, il a 4 victoires au compteur. La finale perdue l'an passé avec Tyson et avec Puccinelli. Et là, il bataille pour une nouvelle finale. C'est incroyable ça. Après, il faut les jouer juste. Ah, moi, j'aurais pas le faire ça, quoi, de tiens comme ça au boulet. Je sais pas comment ils font, moi. Hein? Je sais pas comment ils font, moi. J'ai jamais ça m'arrive, moi, de tiens comme ça au boulet. Et c'est. Ah Marco, je vois bientôt, allez. Ah Marco. Jamais ça m'arrive, moi, de chance comme ça. Eh ben, je vais jouer pour toi. Allez, vas-y, Marco. Ouais. Tu n'as plus de boule, de toute façon. Alors. Ah Marco, on est boule à boule, là. Ah Marco. Marco Foyot, une figure de la pétanque, 30e Marseillaise. Lui, il a 6 victoires. Il court après Albert Pisapia. L'ADER, c'était en 2002 avec Usai Milei. Et depuis, plus rien. Et il est court, Marco. Et depuis, plus rien. Je croyais avoir bien joué, mais je suis court 50. Si je tombe là, autant que je le gagne. 4 boules à mettre, 8. Il y a le point par terre. Ah, mon Dieu. À qui elle est cette boule? C'est la nôtre, ça? Eh ben, allez, Marco. C'est le gagné, là. C'est fou dans cette même, hein, une boule qui est perdue, qui finalement part avec le bouchon, et tout bascule. Ah, Marco, là, c'est pareil. Ah, Marco. Important là, maintenant, Marco, ils ont 3 boules, le petit Tyson en a 2. Allez, Marco. Bravo, bien. Ah, il a gagné peut-être, elle a mordu. Et oui, il a joué sa boule. Pas plus fort que le jeu, hein, c'est une règle d'or. Franchement, ils sont chouna, ils sont vénards. Hein. On ne peut plus avoir de bouteille d'eau parce que tout est vide. Tout est vide. On n'a plus de bouteille d'eau, Roland. Oh, ça va. Ah ouais, si on peut avoir de l'eau parce que il y en a plus là. Un petit coup de mesure, on n'est jamais ridicule, comme vous le savez, on le répète inlassablement. Il faut toujours jouer dans le confort. Ne jamais jouer avec des doutes. Effectivement, il y a 3000 pour la boule de Foyot. Thierry Grandet, 3 fois champion du monde, c'est sa 15e Marseillaise. Champion du monde avec la Croix, Suchot, le Boursicot. Non. Ah, il va venir derrière. Eh oui, il est venu là. C'est un peu bas, hein. Un peu bas. T'es dans la boule. Ouais, dommage. Si t'es là, tu le fais. T'es là, tu le fais. Faut les tirer. Hein? Faut les tirer? Non? T'as pas envie? Et voir de là-bas. Allez, elle a sauté, là-bas. Elle a sauté. Intéressant. Ah oui. Ça peut tirer quand même. Ah oui, j'en ai un doigt en tapant.
Elle n'est pas appétissante, mais ah. au point elle peut être appétissante. Mais oui, t'as le bouchon, quoi. Allez. Attends. Ah Thierry, tu le fais. Ouais, tu ne rends pas. C'est bizarre. Ah Thierry, pour tu ceux le fais, qui nous regardent, pour les champions qui nous suivent, à la hauteur d'une boule. Ils surprennent parce que quand même Chagnot, Grandet, c'est des formidables bombardiers. Ah, ils sont en train de demander à Thierry Grandet l'impossible, c'est-à-dire d'accrocher le bouchon pour porter la boule derrière. C'est possible, hein? Oui, mais... C'est pas bien, forcément la bonne option. Toi, t'y arrives, t'as rien. C'est bon. Non, mais tu tires à 3. Hein. Oui, mais il est en tire France. Tu tires à 3. Il a pensé. Il est rentré, là, Didier. Ouais, mais il a sur debout. Celle-là. Il a deux boules, mais il est en... Il arrive, il enfonce, il enfonce la boule. Mort. Il enfonce la boule. Le bouchon par il enfonce côté, la boule ou il enfonce voilà. le but. Voilà. Mais bien, hein. Ça bouge en boule. Attends, c'est, toi qui c'est mieux, hein. Ouais, vous tirez. Merci. C'est juste un peu bas. Je suis bas encore. Ah Didier, tu peux le faire. Ah Didier, ben montre-moi. Allez. Alors du coup, fais-le. Ils persistent dans leur option. Ouais. Essayez de prendre le bouchon pour amener derrière. Ah ben il l'a fait, hein. Bien. Et voilà. Il l'a fait, mais il a bien joué quand même le coup. Il jouait sur ça. Il peut être chanceux que de réussir quelque chose qu'on tente. T'es bas, tu on le joue le coup. Bien. Didier Chagnot, c'est sa troisième participation. Champion du monde en 2006 à Grenoble avec Milley, Dubreuil-et-Loire. Regardez, c'est magnifique. Il a été champion de France 2004, justement avec son compère du jour, Grandet. Il m'a dit qu'il jouait la boule, tu vois. Ben maintenant, Tyson, écoute, ils en ont deux. C'est affreux, cette partie. Bien gagné, moi. Par contre, les mecs, ils tirent même plus maintenant. Ils ont. Tu peux en couper un, tu peux en gagner, tu sais pas ce que tu peux faire, Taïe. Allez, bien gagné. Allez, attends, écarte-toi, ils ne voient pas. Ah ouais. Hein, Taï. Ah, mon Tyson. Là, père. Oh eh ben, Tyson, il a fait un truc quand même. Eh ben voilà, le petit père. Alors, boule à boule maintenant. C'est bien ça. Ça c'est bon comme ça. C'est loin. Et c'est vraiment un jeu bizarre. C'est le tireur, il a pointé une boule. Oui, ça fait rien. Ah, il peut passer à travers, tu peux en faire deux aussi bien si Jean Didier la tape. Après, s'il veut pointer, qu'il pointe. C'est toi qui as la boule, c'est toi qui vois. Tirer, ouais. Il y a 10 mètres 50, ça va. T'as envie de faire. C'est sympa. Tu peux écouter. Toi, tu viens de réussir quelque chose là, tu continues. Hein? J'ai réussi quelque chose, il me dit, je continue. Bon, j'en bois. Allez. Moi, je suis tout surpris des encore. Stratégies, Jean-Luc, c'est pas le jeu de tirer. Bah, attendez, c'est le jeu qui fait changer la façon de voir. C'est sa distance. Et il défend deux points. Je comprends pas. Et vous non plus. Voilà. Super. C'est parfaitement joué quand même. Ouais. Mais Chagnot. C'est exceptionnel de Paris-Dort. On ne comprend pas toujours la stratégie, mais finalement, Chagnot, il a fait dans cette semaine quelque chose. Deux fois. On tire plus sur des points à 10 cm. De toute façon, c'est pareil, hein, Tyson. Hein. 15 mètres. Si tu sors, hein, c'est loin. 15 mètres. Allez, regarde. Allez, t'as... Tiens, 11 mètres 20, mais pour toi, avec les bras que tu as, c'est facile. Tu tires comme à 6 mètres. Entre celui qui dit à 15 mètres et l'autre 11 mètres 20, il faudrait savoir. Silence radio, il tape. De toute façon, il est ingagnable. Wow. Il n'a pas la réussite parce que, croyez-moi, Duron, il ne peut voir qu'elle. Alors, parce qu'il l'a juste sauté. Regardez le ralenti du petit Tyson. Du génie. 9. Mais quel mène. Mais quel mène. 9 partout. Ah, mais ça fait rien quand même, tu peux passer à côté. Bah, vous avez fait des. 3 fois le bouchon dans la même quand même. Attends. Un peu plus à gauche. 3 fois le bouchon. C'est bien, tu as juste le bouchon. Tu avais joué. Après, comme on dit, si c'est le terrain de hier, tu tires. Mais là, c'est rien. Didier. La vérité, c'est pas le spécial, c'est le bouchon. Il est deux fois pas, t'es une, t'es deux fois pas.
Allez, ça va. Encore la deuxième, j'ai écarté. Ouais, j'ai écarté la mienne. Ça fait que elles étaient en ligne. Elles étaient mieux. Ouais. Comme tu dis, j'ai pu tirer la deuxième. Mais c'est pour le spectacle. Je ne parle pas de seul. Si quelqu'un venait nous arranger de plan. Voilà la dixième main. Neuf partout. Alors, qui va rejoindre Aimé Courtois? Laurent Nguyen. Et Sébastien Dacunha, qui eux ont déjà en poche leur ticket pour la finale. Bien malin celui qui peut le dire encore. Il est court, mais il l'a prise. Oui, oui, il a tapé. Il a tapé. Bien, taille. C'est bien. Jean-Luc, justement, dans votre demi, comment vous l'expliquez que vous ayez été battu par Aimé Courtois, qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, c'est qu'il a été constant dans son appui. Et je ne sais pas, j'ai pas les statistiques, mais il a dû tourner au moins, je pense, à 80%. Et dans ce jeu, ça compte de faire tirer. Comme ce n'est pas évident à bien tirer, la différence est faite là. C'est au tour de Antoine Dubois, d'Ivigo. Pour arrive. Il est court, mais il est là. Allez, droite. Boule devant, boule d'argent. Mais. Voilà. Ah, si. Qu'est-ce que je fous mal de moi? Elle peut emmerder. Jean-Charles Dugénie. Il a été champion de France il y a fort longtemps, 1974. Et il a été finaliste des championnats de France en 1998. Pas mal quand même. Trop faire plus, hein. Parce que là, elle a ça la fait mal jouer. Soit toi t'envoies dans la tienne. Ouais. Moi te j'aime pas qu'elle ait la tienne. Ah oui. Soit regarde, soit tu joues dans la tienne. Ou alors en manquant ta boule, toi tu vas gagner là. Voilà, on va essayer. Ah Kaké. Hein? Non? Ah Kaké, joue bien encore. Qu'est-ce que t'en penses? Ah Kaké, c'était boule ça. Non? Ah Kaké. En plus il a sa boule qui lui sert de guide et j'ai presque envie de dire passer sa boule c'est gagné. Ah non, là il n'est pas au jeu. Eh? Même pas droit à la boule, t'es encore. Ah, mais t'as besoin de voir quand même. Là, tu joues dans ta boule. Eh? Tu joues pas la boule. Ben, je joue là, entre les deux, boule et... pour arriver là, quand même. Eh ben, Marco, c'est le gagné, Marco. C'est là que t'as joué, toi, non? Ouais, ah, c'est Marco, gagne-le. Ah, Marco, gagne-le. Ça, c'est dans les cordes de Marco Foyot de le gagner. Il peut même accrocher une boule pour en faire deux. Tout est possible dans le coup. Ça va dépendre de Marco. Ah, oui, il a gagné. Bravo. Didier Chagnot. 10 fois champion de Ligue Aquitaine. 2 finales des Masters, 2 finales des Trophées des Villes. Et champion du monde, évidemment. Bravo. Super. Elle est partie. Bien, bien. Je vais voir Caro. En fait, dans cette partie, c'est tout simple. D'un côté comme de l'autre, les tireurs ne sont pas à la noce. Ils sont même en souffrance. Suffit qu'à une boule, s'il le gagne, le but gicle un petit peu. On est bien. Ah, Marco, joue bien encore la tienne. Une fois. Ah Marco! Ah oui, c'est vrai. Ah Marco! Oh Marco! Hello, Marco. Oh Marco! Oh. Ça, c'est plus grave. Dirons-nous. Putain, là, je suis long à la main, grave. Hein. T'as fait un devant de vous, là, ça. Oui, non, mais... Oui, on la voit, elle passe. Ah, Tyson, faut le gagner, il est trop fort, il n'a pas assez tenu la boule.
Parce qu'ils ont ça, neuf. Je suis en neuf. Hein. Oh. C'est le jeu de pointé là. Hein, je pense qu'il faut marquer. Pour quelque chose, c'est pas. Faut marquer. Allez, Tyson. Allez, fais tirer. Fais tirer. Il a gagné. Il a dû le gagner. Il faut regarder. Elle a peut-être mordu. C'est là, ça. Dernier tiré. Il a préparé ta gommée. Allez, déguise-toi. Vous avez un petit. Hein? Applique-toi, mes amènes. Si tu amènes, tu mets la taille. Tu me fais bloquer là. Allez, mais il l'a peut-être pas gagné alors. De j'ai un charme. Mais non, mais pour, ah, ils vont le mesurer pour être sûr. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Oui. Parce que c'est peut-être là que peut se jouer la. 3. La finale. Oh, 40. Un centimètre. Allez, Thierry. Et il manque un centimètre. Allez, mes amènes. Allez, qu'on les mette. Allez, bon. Si je passe bien dans la. Ouais, mais voilà. Allez, fais à mettre. Ils ont. Allez, dans l'entonnoir. Trois boules. Eh Thierry, dans l'entonnoir. Allez, mon grand. 10 par terre. Il faut les mettre. C'est pas bien. Évident quand même. Hein. Pour eux, il y a la place, je pense. Alors, on va dire allez, que Thierry. Voilà, possible de gagner maintenant. Mais pas certain parce qu'il y a quand même du monde. Là, voilà, c'est long. Là, hein. C'est bien ça. Oh là là, il a fait un truc en plus. Ouais, là, il est droit au bouchon, il en a fait deux. Allez, Thierry, tu tires une photocopie, c'est bien. Combien de encore. Non. Bien Thierry. Didier, c'est toujours toi qui mets le dernier. Hein? Mais tu vas continuer. La boule de gagne est dans la main de Didier Chagnot. Vas-y Didier. Pour aller en finale. C'est sa troisième participation. Vous rendez compte de l'aventure. S'il te plaît. Écarte-toi, Jean-Charles, respecte. Vas-y, Didier. Eh ben, on va voir si on a la chance. Vas-y, Didier. On va savoir si on est, si on est chanceux ou pas. Si ah, qu'est-ce que tu veux gagner avec la chance qu'on a eue toute la machine là. Je peux pas le. Pas la première. Bravo. Et bien voilà, ce sont les champions du monde, Chagnot, Grandet et Dugénie, qui ont décroché leur billet pour la finale. C'est une surprise, mais voilà, ainsi va la pétanque. Il y a eu trop d'occasions manquées pour les Verts, et que c'est ça un peu votre constat. Oui, c'est un peu ça. Pourtant, je pense qu'au niveau statistique, Vigo a mieux pointé que le pointeur adverse. Je vais peut-être aller voir Marco un petit peu avant que nos amis. Bon, qu'est-ce qu'il Marco, fait Marco, vous avez fait le maximum depuis cette dernière main terrible. Hein. Oh là là. Alors c'est vrai que 13 à 9, c'est donc une finale qui va opposer deux champions du monde, Grandet, Chagnot, Dugénie. Face à la triplette Courtois, Nguyen Van et Dacunha. Alors, on retrouve Fred Soulier avec les finalistes. Oui, avec Jean-Charles Dugénie. Septième participation. Enfin, Olivier. Ouf, c'est un grand soulagement pour vous. Ouais, mais c'est pas une obligation de résultat pour nous. Vous savez, c'est du plaisir. C'est vrai, j'entends Marco Foyo se plaindre du pouce-pouce, mais on a joué avec le terrain. Je ne vais pas dire qu'on joue d'une façon intelligente, mais on essaie de s'adapter à ce qu'on a devant nous. Est-ce qu'il y a un jeu girondin particulier ? Pas du tout. Il faut essayer de faire mieux que l'adversaire avec les moyens qui nous sont mis à disposition. On va vous laisser reprendre un petit peu vos esprits et vous préparer pour une belle demain, évidemment, cette très grande finale que nous avons vivre ici même. Et encore bravo à l'équipe girondine. Eh bien voilà, merci Frédéric Soulier. Finalement, l'analyse de Jean-Charles Dugénie tient la route. C'est vrai que sur ce terrain-là, c'était pas évident du tout de pouvoir se qualifier. C'est un peu la surprise, mais on va pas bouder notre bonheur. On a deux champions du monde à l'arrivée, des Girondins. Bravo, bravo de l'avoir fait avec brio. Ça va être une belle finale. Ça va être une belle finale. Et puis Marco Foyo attendra 2017. C'est ça. Mais pour bon, essayer il doit avoir. D'avoir sa septième. C'était il y a 40 ans qu'il avait gagné la première. Ben, il faudra attendre 41 ans pour gagner la septième. Il faut être patient à la Marseillaise. C'est la plus belle promotion que la pétanque puisse avoir. Et je parle.